Kege, kege. Kege, kege. Kege, kege. Kege, kege. Kege, kege. Je suis un peu malon, hein, mignon. Kege, kege. Je me tais les instants, hein, malon, hein. Kege, kege. A courrier. Yé. A courrier. Yé, yé. A courrier. Yé, yé, yé. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chien et du porc épic. Je vous dis que c'est une histoire terrible. Les porcs épics étaient en brousse, tranquilles. Et un homme a commencé à les chasser. Tous les jours, il va et tue les porcs épics. Il a son chien, il envoie son chien découvre où sont les porcs épics. C'est comme ça qu'il les a. Il les débusque pour que l'homme les tue. Un jour, le papa des porcs épics s'est fâché. Il a rassemblé ses enfants. Il leur a dit, les enfants, je suis fatigué avec cette histoire du chien. Puisque c'est le chien qui nous trahit. C'est lui qui fait que l'homme qui vient avec lui nous tue. Quand il va revenir ici, les enfants, je vous dis, vous partez et laissez-moi, je vais m'arranger. Je veux savoir l'histoire du chien là. Est-ce que deux jours ont même passé? Les porcs épics étaient dans la plaine. Ils entendent le chien qui vient. Le porc épic père a dit à ses enfants, comme je vous ai dit, tout le monde est parti se cacher. Le père porc épic est resté au centre de la cour. Voilà le chien qui arrive. Il plonge sur le porc épic. Le porc épic redresse ses épines. Dans la bouche du chien. Le chien a commencé à crier. Le porc épic a rebaissé ses pointes et ses piquants. Il a regardé le chien. Il lui a dit que mon frère, si ce n'était qu'entre toi et moi, tu ne peux rien me faire. Et il est parti. Voilà le chien qui est là. Son maître arrive, il trouve le chien avec la bouche pleine des épines rouges, avec le sang. Le chien pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Le porc épic ne savait même plus où montrer à son maître où sont partis le chien ne savait plus dire à son maître où sont partis les porcs épics. Il était là en train de pleurer. Donc les enfants, dans la vie, si quelqu'un vous envoie faire quelque chose, ou si quelqu'un vous confie quelque chose, ne vous prenez pas pour cette personne-là. Si on vous donne une chose en responsabilité, ou si vous représentez quelqu'un, ne croyez pas que vous êtes devenu la personne en question. L'homme savait comment tuer le porc épic, mais le chien ne savait pas comment se prendre pour attraper le porc épic. À courrier! Yeah! À courrier! Yeah, yeah! À courrier! Yeah!